والله لو فتحت باب الجهاد في العالم العربي لوجدت عشرات الملايين قد تهيأوا لينتقموا من الذين يذلون هذه الأمة ويتحدونها ويستعمرونها ويقتلون شبابها ويعتقلونهم ويدنسون مقدساتنا. من قال لك أن الأمة غائبة؟ والله إن هذه الأمة تغلي، والله إنها تغلي، ليس من المحيط إلى الخليج ولكن من المحيط إلى المحيط. Le ressentiment est sans doute le moteur principal de ce qui rend compte des événements depuis 3-4 décennies dans les mondes méditerranéens. Le ressentiment, c'est quelque chose qui porte loin. Ce n'est pas simplement une humiliation à l'échelle d'une vie humaine, mais tout un héritage d'humiliation. Or, ce qui compte particulièrement dans le monde arabo-islamique, c'est que ce monde arabo-islamique humiliait avant d'être lui-même humilié. Et du même coup, le ressentiment contre ce retournement de situation est considérable. N'oublie pas qu'il y avait encore des esclaves blancs au Caire au début du 19e siècle, du 20e siècle. بس هم لان هم قدروا يستفادوا مننا بقوا احسن مننا دلوقتي لان احنا ما نفذناش الحاجات اللي كنا على اطارها زمان كويسين احنا زمان كنا كويسين جدا انما دلوقتي هم بقوا احسن مننا شويه بس لكن كلها حضارات فنزل الله تبارك وتعالى Le ressentiment, l'humiliation, deux sentiments qui se transmettent comme un leitmotiv de génération en génération en terre d'islam. Les mosquées sont devenues les refuges de tous les espoirs, mais aussi de toutes les peurs et de toutes les haines. Citoyens de nations affaiblies, pauvres pour une majorité d'entre eux, les musulmans s'accrochent à un passé mythique, celui d'un âge d'or d'une civilisation islamique qui s'étendait de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Puissant hier, faibles aujourd'hui, les musulmans cultivent le ressentiment et oublient leur part de responsabilité dans ce déclin de leur civilisation depuis le 15e siècle. Le premier refus a été l'imprimerie, qui venait d'être découverte en Europe et que les puissances musulmanes, dans leur ensemble, toutes, du Maroc jusqu'à l'Inde, ont refusé avec dédain. Les Européens, au XVIe siècle, ont perfectionné un navire, une forme de bateau qui leur permet de sillonner toutes les mers du globe. Les communications mondiales, planétaires, passent des mains de l'islam aux mains des puissances chrétiennes qui dominent les océans grâce à la caravelle. La caravelle, c'est encore une forme de bateau que l'islam refuse avec dédain. À partir du début du XIXe siècle, ces puissances européennes qui dominent les mers depuis 300 ans sont suffisamment fortes pour entrer à l'intérieur des terres et conquérir physiquement l'espace musulman. En 1917, l'ensemble du monde musulman était colonisé de manière directe ou indirecte par des puissances européennes. L'Empire ottoman, au fond, on l'a oublié parce que nous sommes à près de 100 ans de sa disparition, était un immense empire. C'était au début du XXe siècle l'un des trois grands empires qui existaient encore avec l'Empire austro-hongrois et l'Empire des Tsars. C'est cet empire qui va s'affaiblir. À la fois parce que, de par sa structure, il était entré dans une période d'inertie et de décadence interne, et qui en même temps va être en but aux attaques occidentales, va être en but à la levée de boucliers nationalistes. Et à partir des années 1825-1830, on va voir une série de pays d'Europe orientale qui vont se libérer du joug ottoman. Grande puissance maritime de ce début du XXe siècle, la Grande-Bretagne s'empare au nom de la liberté de l'Arabie, ce berceau de l'islam où vivent de nombreuses tribus sans état et sans frontières.
Un colonel anglais, Lawrence d'Arabie pour la légende, arme et finance le soulèvement contre les Turcs avec la promesse d'un grand royaume arabe. Le shérif Hussein est pressenti pour diriger ce nouvel État, un allié incontournable pour les Anglais. Hussein est le chef militaire et spirituel de la Mecque, lieu de naissance de l'islam et de son prophète Mohammed, une ville interdite aux non-musulmans. Bien sûr que les Britanniques étaient terriblement embarrassés par cette affaire, parce que la Mecque, sous suzeraineté ottomane, galvanisait encore les espoirs et le sentiment des sujets musulmans de l'Empire britannique. Les Britanniques étaient très gênés. Qu'est-ce que nous allons faire avec la Mecque? On ne peut pas occuper la Mecque quand même. Les musulmans indiens sont indignés. Donc les Britanniques trouvent ce système très commode, qui est de proclamer un État arabe dont le chef-lieu serait celui gouverné par le shérif de la Mecque, pour dire « nous soutenons les aspirations légitimes des Arabes contre ces faux musulmans que seraient les Turcs. Et nous soutenons l'indépendance de l'Arabie avec pour véritable capitale la Mecque. » La capitale spirituelle de l'islam est la Mecque, vers laquelle convergent toutes les prières des musulmans. Chaque croyant espère accomplir une fois dans sa vie un pèlerinage dans ce lieu, le plus sacré de l'islam. Le rêve du shérif Hussein ne dure que le temps de la conquête de l'Arabie. Un autre chef de tribu, Abdelaziz ibn Saoud, le renversera quelques années après, avec l'appui logistique de ces mêmes Anglais. La réalpolitik s'accommode de toutes les trahisons. Le 9 décembre 1917, Allenby rentre à Jérusalem. Et il refuse de circuler en voiture, il va se rendre à pied à Jérusalem, conscient de l'idée qu'il est en train de reprendre la ville. D'aucuns disent qu'il ira sur le tombeau du grand Saladin, celui qui, en 1187, avait repris Jérusalem aux croisés, et que du talon de sa chaussure, en frappant sur la tombe de Saladin, il lui dira « Saladin, nous voilà de retour ». Comme si se jouait cette idée d'une tension entre Orient et Occident, d'une présence croisée à laquelle les Arabes avaient mis fin, et un retour des Anglais à ce moment-là, comme si Allenby était le successeur de Richard Cœur de Lion. La victoire acquise, le partage des dépouilles ottomanes se fera au seul profit des nouveaux maîtres de la région. Les Britanniques et les Français tracent sur des cartes d'état-major les frontières de nouveaux États dirigés par des hommes de paille. Une seule zone sous mandat britannique connaît une autre destinée, la Palestine, terre sacrée des trois religions monothéistes et promise à la fois aux Juifs et aux Arabes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le monde arabo-musulman subit un séisme dont les ondes de choc se font sentir jusqu'à aujourd'hui. En 1917, les musulmans se regardent et se réveillent. Partout. Ils sont défaits sur le plan militaire. Tous leurs efforts de rénovation, de renouveau administratif, mais sans vouloir remettre en cause les fondements de leur civilisation religieuse, tout cela semble être voué à l'échec avec l'effondrement de l'Empire ottoman et de toutes les puissances musulmanes indépendantes. C'est dans ce cadre-là que, en Turquie, le futur Atatürk se décide à prononcer que l'islam, en tant que civilisation, est un échec. Face au démembrement de l'Empire, le général Mustafa Kemal, qui se fera appeler plus tard Atatürk, le père des Turcs, n'a qu'une seule idée, sauver une nation. Contre l'avis du calife, détenteur aux yeux des musulmans des pouvoirs temporels et spirituels, il s'oppose au dépeçage de son pays par les Anglais et leurs alliés. À partir d'Ankara, il conquiert territoire après territoire pour former une nation dans ses frontières d'aujourd'hui, la Turquie. Atatürk instaure, avec des méthodes autoritaires, un État moderne, à l'image des États occidentaux qu'il a combattu militairement. Il destitue le dernier sultan qu'il envoie en exil en Europe et met ainsi fin au dernier califat islamique. Dans les années 1920, tout s'effondre dans le monde musulman avec la disparition du califat à Istanbul, même si le califat ottoman n'avait plus véritablement d'aura, de puissance politique, était détesté par la plupart des Arabes. Néanmoins, ça conservait la fiction d'une espèce de pouvoir politique islamique. De ce fait-là, tous ceux qui veulent transformer le monde en se référant à l'islam n'ont plus de point de référence. Les musulmans ont vécu dans l'idée que de la mort du prophète,
Mahomet en 632, le 8 juin 632, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman et l'abolition du califat, c'est-à-dire le 3 mars 1924, il y avait un représentant des musulmans sur Terre. Le courant auquel appartient Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs, est un courant extrêmement séculier, nourri de Rousseau, nourri de Voltaire, en phase avec la franc-maçonnerie, qui est fascinée par l'Europe des Lumières, et qui pense que si la Turquie a perdu la guerre, c'est à cause de son... De sa sclérose en quelque sorte religieuse, de son incapacité de s'adapter au siècle. Et vous avez tout un courant qui, au fond, impute à l'islam cette impossibilité de se réformer. Et précisément pour passer à la réforme, pour passer à la modernité, il faut sauter par-dessus l'islam. Face au nationalisme autoritaire et moderniste de Mustafa Kemal, qui fera des émules dans d'autres pays musulmans, un courant fondamentaliste prône le retour aux valeurs de l'islam pour retrouver la grandeur du passé. C'est en Égypte, sur les bords du canal de Suez, construit par l'Europe, pour l'Europe qui commerce avec l'Asie, que les frères musulmans trouvent leurs racines. Cette organisation politico-religieuse est créée en 1928, 4 ans après l'abolition du califat, avec un slogan simple qui est aujourd'hui celui de tous les islamistes. Le Coran est notre constitution. Les villes occidentalisées telles qu'Ismaïlia et Port Saïd étaient divisées en deux parties. La partie européenne qu'on appelait le quartier Frangi, du fait que la majorité des habitants étaient des Français qui travaillaient pour la société du canal de Suez. La vie s'y déroulait au rythme de la culture européenne, surtout française. L'autre partie de la ville, on l'appelait le quartier arabe. Il était à l'image des quartiers populaires des autres villes égyptiennes. La différence de vie entre ces deux univers était très importante. La ville d'Ismaïlia se trouve au milieu de la zone du canal de Suez, une zone qui était sous l'occupation militaire des Britanniques. Donc c'est à cette zone qu'on voyait le contraste entre un Occident militairement puissant, technologiquement avancé, et un Orient faible militairement et sous-développé. Le fondateur des frères musulmans est Hassan al-Banna. Ce n'est pas un clerc, ce n'est pas un dignitaire religieux, c'est un instituteur qui parcourt l'Égypte pour prêcher un islam social et combatif dans les mosquées, dans les cafés ou sur les places publiques. Hassan al-Banna forgera durant ces années un argumentaire idéologique qui ne sera renié par aucun mouvement islamiste en s'opposant aux idées et aux valeurs occidentales qui gagnent les esprits de la jeunesse égyptienne. Au sein même de la famille al-Banna, les idées libérales séduisent son jeune frère Gamal. La société de l'époque était très libérale et l'islam ne jouait pas le rôle qui devait lui revenir. Hassan al-Banna et sa confrérie sont arrivés pour combler cette absence. Le peuple égyptien est très croyant et la religion occupe une place très importante dans notre vie quotidienne. L'imam al-Banna a voulu redonner à l'islam son rôle, en faire le système de valeurs de la société égyptienne. L'Égypte est le pays du Moyen-Orient le plus dynamique à l'époque, le plus développé, précisément parce qu'il s'y est fait une symbiose entre non seulement le monde méditerranéen et la population locale, non seulement les puissances européennes dont un certain nombre de communautés sont présentes, sous la domination britannique qui est globalement rejetée, mais aussi parce que l'Égypte, c'est le lieu où se rencontrent les Libanais, les Syriens. Donc la première idée de Banna, c'est au fond de refaire la communauté sur des idées simples, sur l'idée du Coran, sur l'idée de la solidarité du musulman, mais essentiellement sur l'idée de la charia. Ce qui définit l'État musulman, c'est sa législation. Ce n'est pas le fait qu'il ait à sa tête un musulman. Ce n'est pas qu'il se revendique de l'islam, ce n'est pas qu'il parle l'arabe, ce n'est pas qu'il ait des références coraniques dans des discours officiels. C'est l'islam comme mode de vie et mode de régulation étatique, par opposition ou en opposition au mode de régulation étatique